Ouais, la jeunesse camerounaise. Regardez comment on les utilise. Après ça, on se débarrasse de Bruno Bidja en prison. Ouais, les pauvres enfants. Voilà sa femme qui est enceinte. Elle-même n'est pas. Elle dit que les premières victimes de cette histoire, ce sont les enfants. Ceux qui sont déjà nés là. Et celle qui est dans le ventre. Ça fait mal, franchement. Quand on dit aux jeunes que le diable n'a pas d'amis, la dictature n'a pas d'amis. Oh, grand, tu babates pourquoi? Oh, tu dénonces. On va te faire, on va te faire. Regardez, même le journaliste qui est mort là, lui-même, il disait qu'il y a Dieu au ciel. Sur terre, il y a Paul Biya. Et voilà qui est parti. Celui qu'on accuse même. Toutes ces personnes qu'on accuse là, eux-mêmes, ils sont en Konengé. Ils étaient du même clan. Voilà Bruno Bidjan aujourd'hui, à son tour, du même clan. Donc, tu penses que tu es en sécurité, alors que non, on t'exploite. On t'exploite. C'est là où tu comprends que il n'y a pas plus prisonnier que le gardien de prison. Oui, c'est vrai. Regardez bien tous ceux-là qui sont victimes. C'est les gens hier qui disaient que ils respectent les institutions, alors qu'ils respectent la dictature. Ils sont à la solde de la dictature. Regardez aujourd'hui, ce sont eux qui sont tous en prison. L'autre a même perdu sa vie. Et ils sont comme ça là toujours qu'on va recruter. Voilà. Et ils pensent que servir la dictature, c'est être du bon côté jusqu'à ce que le mal t'arrive. Ah oui. Et le diable n'a pas de temps. Il ne connaît pas le moment. Il te surprend toi-même. Il n'a pas pitié que ta femme enceinte. Il n'a pas pitié que non. Toi, tu vas mourir, tes enfants vont faire comment? Non, non, non. Il s'en fout. Soit ce sont ses adeptes qui sont proches de lui qui te font du mal, soit c'est lui-même qui. Ah, Seigneur, ça fait mal, hein. Jeune, soyez sage. Prenez conscience. Ne crois pas que quand tu es du côté qui opprime le peuple, l'oppresseur du peuple, tu penses que tu es en sécurité. Non. Tu n'es pas différent d'un gardien de prison. Gardien de prison se rend compte qu'il est prisonnier lui-même le jour que il néglige ou bien l'erreur vient de lui. Et qu'un prisonnier s'échappe, c'est là qu'il comprend que non, il doit remplacer le prisonnier là. C'est ce qui arrive à ces gens aujourd'hui là. Eux, ils croyaient à un moment de la vie qu'ils ont même droit à la parole. Tu es plus prisonnier que le prisonnier. Pendant ce temps, ceux que tu penses qu'ils ne sont pas libres, ils sont plus libres que toi. Parce qu'ils veulent le changement. Quand on croit être en sécurité, alors qu'on en est en sécurité. Parce qu'on pense qu'on est du côté des forts. Non, seul le peuple et la vérité. Est fort. Le reste là, ce sont les illusions. On te fait croire qu'on peut te protéger. On te fait croire, non. Le moment venu là, ce sont eux-mêmes là qui vont te broyer. Ils n'auront pas pitié de toi. Ils vont même laisser leurs adeptes te faire du mal. Les mêmes vont te broyer. Ils ne vont pas croire que non, tu as la femme, tu as les enfants. Ils s'en fichent. Si c'est pour te ôter la vie, ils vont le faire sans pitié. C'est pour t'envoyer en prison, ils vont t'envoyer sans pitié. Si c'est pour bloquer ton salaire, ils vont le faire sans pitié. Si c'est pour te faire perdre le travail, ils vont le faire sans pitié. Ils n'ont pitié de personne. Ils n'ont pitié de personne. Soyons du bon côté. Les seules victimes dans cette histoire, ce sont les enfants innocents. C'est tout cela aujourd'hui qu'on va venir crier là que oh, justice, justice. Mais hier là, eux-mêmes, ils étaient de quel côté? Eux, ils acclamaient hier qu'on envoie les autres en prison. Eux, ils acclamaient hier qu'on broyait les autres, qu'on supprimait les salaires de certains, qu'on révoquait certains. Mais oui, hommage à Charles Tébéené. God bless.